Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Royal Brazo par Raymond Brazo, à l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, Rolande, action de grâce à Dieu pour les bienfaits de la famille Aline et Bosco, Aline, pour la protection et action de grâce au Seigneur, pour Viviane Mensa et ses enfants Joël Mackerson et Élie Emmanuel, par intercession des cœurs unis de Jésus et de Marie, Viviane Mensa. Action de grâce et remerciements au Seigneur pour tous ses bienfaits à l'égard de la famille Aizen, Vincent et Estelle, et aussi pour le nouveau travail au gouvernement. Enfin, pour le repos de l'âme de Maman Christine par le couple Cérébo. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Cabango, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le deuxième dimanche de carême que nous célébrons aujourd'hui. La liturgie de la parole, notamment l'Évangile, nous rappelle la transfiguration de notre Seigneur dans l'Évangile de Luc. Le Seigneur invite Pierre, Jacques et Jean pour gravir la montagne avec lui. Quand il arrive au sommet de la montagne, il est transfiguré, ses vêtements changent, ça devient tout brillant. Et les apôtres voient pour la première fois la vraie nature de leur maître. Il me semble qu'à chaque carême, le Seigneur nous invite à gravir avec lui la montagne. Quand nous venons aux célébrations eucharistiques, c'est pour accepter, dire oui à son invitation de gravir avec lui la montagne sur l'autel. Arriver à l'autel, c'est ici que le Seigneur se transfigure et il veut se révéler à chacun, chacune d'entre nous durant cette célébration eucharistique. Alors que nous prions ensemble, nous allons demander cette grâce spéciale de laisser le Seigneur nous illuminer pour qu'à notre tour, nous apprenions à illuminer le monde environnant. Notre évêque, Monseigneur Marcel Danfousse, invite tous les chrétiens et chrétiennes du diocèse de Ottawa-Cornwall cette fin de semaine de prier d'une manière spéciale pour l'Ukraine. Alors nous aussi, ici à Saint-Rémy, nous allons faire la même chose. Nous allons penser à nos frères et sœurs qui passent des moments difficiles avec la guerre qui a commencé dans leur pays. Au début de cette rencontre, tournons-nous d'abord vers la miséricorde de Dieu et reconnaissons nos manquements. Jésus, berger de toute humanité, tu n'as pas de chercher.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans sa parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur. Qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. En ces termes, « À ta descendance, je donne le pays que voici. » Depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute que le thème principal de Carême, c'est la conversion. Nous sommes tous et toutes invités à nous convertir. Et c'est normal que nous prenions des résolutions, des mesures dans notre vie chrétienne. Je sais que vous et moi, ce qui nous préoccupe, c'est
peut-être manger moins, c'est peut-être faire moins plaisir, c'est peut-être moins bavarder, moins parler des autres, etc. Ce sont des choses à garder, il n'y a pas de problème. Mais il me semble qu'avec la lecture d'aujourd'hui, on nous demande d'aller un peu plus loin. Regardez, vous êtes en voiture. Du coup, vous vous rendez compte que vous êtes trompé de chemin. Il faut faire un demi-tour, c'est ce qu'on appelle le U-turn. Tu fais un demi-tour. Alors, tu fais demi-tour, tu changes de direction, mais tu n'as pas changé de vie. Tu as changé de direction pour aller où tu veux aller. Mais maintenant, avec les privations que nous nous imposons, il faut simplement se demander la chose capitale, est-ce que ces privations-là me font changer de vie? Ou bien, ça devient la même vie, mais avec des restrictions, s'il faut utiliser le terme qui nous est tellement familier avec la pandémie. Donc nous vivons, nous avons fait des restrictions dans notre vie, mais nous continuons à vivre comme si de rien n'était. En fait, en réfléchissant sur tout cela, moi le premier, je me suis dit, il faudrait peut-être regarder comment Jésus vit cette transfiguration. Il gravit la montagne parce qu'il voulait prier et il prend avec lui trois apôtres. Arrivé au sommet de la montagne, comme vous le savez, la montagne dans la Bible, c'est le lieu par excellence de la manifestation de Dieu. C'est le lieu où on fait une expérience extraordinaire, spéciale avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur se donne, se dit. Montagne, le sommet de la montagne. Alors Jésus arrive au sommet de la montagne, il est en prière. Quand il est en prière, dit le texte, son visage devient tout lumineux. Alors ça illumine et puis ses habits changent d'apparat. Ça devient vraiment d'une blancheur, dit le texte, qu'on ne peut pas rencontrer ici sur la terre, d'une blancheur extraordinaire. Ce qui s'est passé en Jésus, c'est que avec cet événement-là, ce qui est arrivé vraiment, c'est que son être profond s'est exprimé, s'est révélé. C'est qu'il est vraiment au-dedans de lui-même, son être de fils de Dieu, à transpirer. C'est qu'il est à son intérieur, dans son fort intérieur, et sorti à l'extérieur. Ce ne sont pas des projecteurs qui ont fait que Jésus prend un visage illuminé qui brille. Ce ne sont pas des tatouages illuminants de son corps extérieur. Ce n'est pas non plus un effet de cosmétique, en fait, mais c'est une lumière intérieure qui ressort de lui, qui brille et qui le fait connaître à l'extérieur. C'est la beauté intérieure de son être qui jaillit en fait de tout le corps, de tout l'extérieur, pour que les apôtres sachent vraiment qui il est. C'est sa vraie nature qui ressort quand il est en contact, en communication avec Dieu. Mes amis, en partant de cet exemple-là, je me suis dit, vous et moi, c'est ce qu'on devrait faire pour nous convertir. La conversion, c'est quelque chose de capital, de fondamental. Regardez, Jésus, en montant et en priant, il est entré en communication, en communion avec Dieu, il priait avec son Père. C'est par cette compénétration avec son Père qu'il a vécu, n'est-ce pas, cette expérience extraordinaire, que la lumière a commencé à briller, à jaillir de tout son corps. Vous et moi, nous sommes appelés à faire la même expérience que Jésus. Il faut chercher d'abord l'espace. Jésus a cherché un espace où il y a le silence, en haut, au sommet d'une montagne. Et quand il est arrivé là-bas, il a dû prendre le temps pour prier. Donc nous avons besoin d'espace et de temps pour vivre notre rencontre avec Dieu, pour vivre notre conversion profonde. Alors, il faudrait prendre le temps de trouver ton sommet, le sommet de ta montagne. Ça peut être ta chambre à coucher, ça peut être la salle familiale. Il faut trouver ton sommet, ton lieu de prière où tu vas faire silence en toi-même, faire silence à l'extérieur de toi-même pour vivre cette vie d'intimité, de communion avec Dieu. Alors, quand on vit cette vie de communion avec Dieu, alors quelque chose de spécial nous arrive. Alors, vous vous rappelez l'histoire de la parabole du jeune homme, de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il est dit,
quand, après avoir dilapidé l'héritage de son père, alors il a commencé à réfléchir. Il s'est assis, il n'avait plus rien. Il s'est assis, le texte dit, il est rentré en lui-même. Donc, en réfléchissant, il est rentré en lui-même, et là il s'est dit, non, je vais retourner chez mon père. Je vais travailler encore là, je vais être là, je vais lui demander qu'il ne me considère pas comme un de ses enfants, mais seulement comme un ouvrier. Il est rentré en lui-même. Alors, quand on vit cette vie de communion avec Dieu, chacune d'entre nous doit apprendre à rentrer en soi-même. Il faut rentrer dans son cœur, dialoguer avec son intérieur, aller dans son fort intérieur, aller parler avec son cœur, aller s'écouter soi-même et se redécouvrir. C'est dans l'intimité de soi-même où on peut s'exprimer, on peut parler avec Dieu et vivre cette relation intime qui peut nous transformer, qui peut nous changer. Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin, alors qu'il cherchait sa voie avant de se convertir comme chrétien. Il allait à gauche, à droite, et plus tard, ce qu'il racontera lui-même dans sa vie, dans son histoire, son autobiographie, il dira que, à l'époque, il cherchait Dieu partout, à l'extérieur, dans différents groupes, dans différentes rencontres, dans différentes célébrations. Il dit qu'il n'avait pas trouvé. Mais sur le tard, il s'est rendu compte qu'en réalité, Dieu était en lui. C'est là qu'il a trouvé Dieu, dans le fort intérieur, au plus profond de lui-même. La même chose, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à aller au fort de nous-mêmes, à rentrer chez soi pour vivre cette rencontre avec le Seigneur. Et comme le Seigneur s'est révélé à Saint Augustin, il continue à se révéler à chacun, chacune d'entre nous, quand nous entrons en profondeur de nous-mêmes pour chercher à le rencontrer. Alors, quand on a rencontré le Seigneur, on ne peut qu'être illuminé de sa lumière, comme Jésus a rencontré son Père. Jésus est devenu lumière de la lumière. Alors, nous aussi, en rencontrant Dieu au-dedans de nous, nous allons recevoir ses grâces et bénédictions qui vont ressortir par tout notre corps, par tout notre visage. Nous serons illuminés de la présence de Dieu. Voyez-vous. Alors, c'est ce qu'on doit apprendre de plus en plus, à nous habituer à travailler notre intérieur. Nous avons l'habitude surtout de tenir compte des aspects extérieurs. Nous sommes formés à ça. C'est comme instinctivement. Nous tenons compte de notre corps, c'est très bien. Alors, notre maison extérieure, c'est très bien. Mais souvent, nous ne prenons pas beaucoup de temps pour la maison intérieure, pour le fort intérieur qu'il faut soigner aussi. Et le fort intérieur se soigne par la vie de contact avec Dieu, par les lectures, par la méditation et le dialogue intérieur avec le Seigneur. Alors, cette vie d'intimité nous transforme, nous change. À ce propos-là, il y a un prêtre suisse qui est décédé en 1970, Maurice Zundel, qui parle un peu de la vie intérieure. Lui, il dit que nous, les êtres humains, souvent, nous faisons beaucoup attention à ce que lui appelle la beauté animale. Mais nous, dans notre langage, on dira la beauté physique, la beauté extérieure. Alors lui dit, tout être humain a une beauté extérieure, une beauté animale, parce qu'il a des couleurs, il a des formes, il a la manière d'être, etc. Il dit, vous savez quoi? La beauté animale, la beauté physique peut disparaître d'un trait comme ça. Par exemple, dans un accident, ta beauté physique peut être détruite. Il dit, même par la vieillesse aussi, Et même, moi j'ajouterais, même par des chirurgies esthétiques, il peut y avoir une erreur dans la manière de reconstruire ton visage et c'est catastrophique. Donc, Augustin dit, la beauté physique peut disparaître. Par contre, ce qui est important, dit-il, c'est la beauté intérieure. Chaque être humain a une beauté intérieure. Cette beauté intérieure, c'est la beauté à garder, la beauté, n'est-ce pas, qu'il faut travailler, la beauté qu'il faut conserver. Même si la beauté extérieure se termine, même si la beauté extérieure disparaît, la beauté animale disparaît, eh bien, nous garderons toujours notre beauté intérieure. La beauté intérieure, justement, qui puise en Dieu, qui est cette bonté d'amour, cette beauté de miséricorde, puis d'entretien. Ah, il me semble qu'il faut aller vraiment chercher au-dedans de nous-mêmes notre beauté, parce que Dieu nous a créés avec une richesse intérieure. Et cette richesse intérieure qu'il faut aller chercher, et cette richesse intérieure, quand on la recherche, elle rejaillit, elle remonte sur nous et nous transforme.
nous transfigure, nous donne, n'est-ce pas, un autre visage. Ainsi donc, je termine avec ceci que j'ai beaucoup aimé encore, c'est comment le pape lui-même a essayé de développer cet évangile. Il dit qu'en fait, retenons deux choses, montée, descente. Jésus monte avec ses apôtres et puis au-dessus, il est transformé, transfiguré, il devient toute une autre personne. Est-ce qu'il est resté là? Est-ce que les apôtres sont restés là au sommet? Du tout. Ils sont redescendus. Alors le pape dit, en fait, quand nous prions, quand nous venons à la messe, quand nous faisons une retraite, nous montons sur une montagne, nous faisons la rencontre avec Dieu, nous nous transformons, nous entrons en communion avec lui, Dieu nous touche, Dieu nous parle, et puis il nous donne ses grâces et bénédictions. Est-ce que nous sommes appelés à rester là toute la vie avec Dieu? Du tout. Dieu nous demande toujours de descendre la montagne. Alors quand on descend de la montagne, c'est alors qu'on va à la rencontre de nos frères et sœurs qui ploient sous la misère, qui ploient sous les exploitations, nos frères et sœurs qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'aide, qui vivent dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté matérielle. Et aujourd'hui, nous dirons nos frères et sœurs qui souffrent de la guerre en Ukraine. Alors quand nous descendons, alors nous pouvons maintenant appuyer nos frères et sœurs parce que on a été habité par Dieu. Alors dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur continue à nous transfigurer parce que à la messe, sur l'autel, le pain du Christ, le pain devient transfiguré, le pain devient corps du Christ, transfiguré. Le vin devient sang du Christ, c'est la transfiguration. Alors nous autres là, quand on va recevoir le corps et le sang du Christ, demandons la même transfiguration qu'en sortant d'ici, qu'on voit le visage du Christ sur le nôtre. Amen. Je crois en Dieu, frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes et disons ensemble, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses qui consacrent leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur.
Seigneur, entends notre prière. Pour les autochtones du monde entier, dont les territoires et les modes de vie sont souvent menacés, afin qu'ils connaissent la justice, qu'ils obtiennent réparation et qu'ils vivent en paix dans des conditions qu'ils choisissent, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre paroisse et nos collectivités, afin d'être de bons samaritains, les uns pour les autres, et d'éviter de passer notre chemin lorsque nous sommes témoins d'abus de pouvoir ou d'atteinte à la dignité humaine. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour la paix en Ukraine, en Europe et dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sacrifie le corps et l'espoir de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Seigneur, Dieu de l'univers,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Royal Brazo et de maman Christine, qui ont quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés et unis à la mort du Christ, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui commençons cette deuxième semaine de carême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Antoine de Padoue, les apôtres, Saint Rémi, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec les familles qui ont demandé cette messe comme action de grâce, nous allons réciter le Notre Père et puis demander une grâce spéciale pour que le Seigneur continue à nous illuminer comme ses enfants et à retravailler, à raffermir cette beauté qu'il a créée en nous comme ses enfants, comme ses filles et ses fils. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles au profond être que nous sommes, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, nous ferons comme la fois passée, vous venez au devant en deux rangées. Et nous choisissons
le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière pour parler au Dieu qui est au plus profond de nous-mêmes. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Laisse-toi le garder par le Christ, car